Nous avions envie de revenir d'une part sur le personnage qui s'appelle Bulgakov, dont vous avez pu voir l'adaptation du Maître et Marguerite dans la cour d'honneur. Et à partir de Bulgakov, on a voulu tirer des fils et s'intéresser à une génération d'artistes en Russie, plusieurs écrivains qui sont de la même génération que Bulgakov et qui ont été confrontés à une vraie question qui est le rapport de l'artiste avec le politique. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est Anouk Grimbert qui va lire les textes de Marina Tsvetaeva, parce que la soirée sera placée surtout sous le signe de Marina Tsvetaeva. Andrei Markovitch va se livrer un exercice incroyable d'improvisation ce soir. Les textes, je voudrais faire un petit salut à Tsvetan Todorov parce que nous avons adoré son livre qui s'appelle Vivre dans le feu et dans lequel il rassemble des textes de Marina Tsvetaeva. Et on va ouvrir cette soirée avec de la musique, c'est-à-dire nous allons écouter tout de suite pour changer de paysage, pour quitter Avignon, pour essayer de retrouver la Russie. On va écouter la musique du film Alexandre Nevsky, donc le film d'Eisenstein, musique de Prokofiev. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Thank you.
Фундис. Мое поколение мало меда вкусило. И вот только ветер гудит в отдалении, только память о мертвых поет. Ces quatre vers d'Anna Akhmatova, écrit en 1944. Et ça dit, de profundis, «Мое поколение, ma génération, мало меда вкусило, а goûté peu de miel. И вот, et voilà, только ветер гудит в отдалении. Il n'y a que le vent qui sonne ou qui gronde au loin. Только память о мертвых поет, que la mémoire qui chante sur les morts. C'est une génération. Prokofiev, dont vous venez d'entendre la musique, est né en 1891. Bulgakov, 1891. Anna Akhmatova, 1989. Boris Pasternak, 1890. Osip Mandelstam, 1891. Vladimir Mayakovsky, 1893. Et Marina Tsvetaeva, 1892. Je ne veux pas dire que tous ces gens travaillaient ensemble, même s'ils se connaissaient. Akhmatova a écrit un poème magnifique sur la mort de Bulgakov. Quand Akhmatova venait à Moscou, elle allait chez Bulgakov. Marina Tsvetaeva dédie un recueil de ses poèmes à Anna Akhmatova. Marina Tsvetaeva, on le verra, écrit des lettres à Boris Pasternak, pas que à Boris Pasternak. Elle connaît Mandelstam, elle connaît Mayakovsky. Mayakovsky est pour elle un dieu. Enfin. Et tous ces gens très différents sont pris dans le vent de l'histoire. Ветер свист гудит в отдалении, le vent qui sonne au loin. Et est-ce que si vous avez eu la chance de voir le spectacle de le Maître et Marguerite, vous faites attention au vent. Le vent du manteau du gouverneur, le vent qui est partout, le vent des sorcières. Alors, je ne veux pas discuter sur le vent, mais il y a le vent de l'histoire et il y a le vent qui fait du feu. Et ce feu-là, il s'est particulièrement, comment vous dire, incarné dans Marina Tsvetaeva, dans l'œuvre de Marina Tsvetaeva. Et il nous a semblé que pour parler de ce feu, c'était très intéressant de faire entendre des textes à elle. Voilà. Et Tsvetaeva, donc, comment, elle est à Moscou, hein, elle commence sa vie à Moscou, donc, elle, comment dire ça, elle commence par écrire des poèmes à Alexandre Bloch, le plus grand poète de l'époque, et puis à être un des poètes les plus étonnants, les plus romantiques de la période de l'avant-révolution. Elle est toujours restée fascinée par le romantisme. Puis il y a eu la révolution, la guerre civile. Elle s'est retrouvée en exil, très vite en France. En France, elle a écrit à l'auteur qu'elle considérait comme le plus important, Boris Pasternak, qui venait de publier en 1922 un recueil révolutionnaire, « Ma sœur, la vie ». Elle a écrit aussi à Rainer Maria Rilke. Il y a une correspondance grandiose entre les trois. Et au fur et à mesure qu'elle a vécu en France, elle a vécu dans un isolement total. Dans une solitude en dehors de toute génération. Vivre la vie de sa génération en dehors de toute génération,
Ça a été le destin de Marina Tsvetaeva. Mars 1920. Dans mes veines, ce n'est pas du sang qui coule, mais de l'âme. Août 1923. Dieu veut faire de moi un dieu ou un poète. Mais moi, je veux parfois être un être humain et je me débats et je prouve à Dieu qu'il a tort. Et Dieu, en souriant, me relâche et dit « Va, vis un peu ». Septembre 1923. Je ne suis pas faite pour la vie. En moi, tout est incendie. Je suis une personne écorchée, alors que vous portez tous une armure. Tous, vous avez l'art, la vie en société, les amitiés, les distractions, la famille, le devoir. Moi, au fond, je n'ai rien. Tout tombe comme une peau. Et sous la peau, il y a la chair à vif, ou le feu. Elle n'existe pas, la vie qui aurait supporté ma présence. 1925. Je sais de naissance que toutes les places dans cette vie-ci sont déjà prises. N'est libre que le royaume des cieux, et là, sans doute, je serai la première. Un poème écrit en 1924 qui s'appelle « Tentative de jalousie ». Et comment ça va, la vie avec une autre, plus simple, n'est-ce pas ? Rame, claqué ! Sait-il vite le profil de la côte, le souvenir ? Sait-il vite masqué de moi ? De moi, il désamarrait. Voguant de par le ciel, non sur les flots. Âme, jamais amante ne serait. Sœur, vous serez. Sœur, vous. C'est votre lot. Et comment ça va la vie près d'une femme simple ? C'est comment, sans divinité, vous détrônâtes, prince profane, votre souveraine, le dit trône quitté. Et comment ça va ? Les froissies d'elle, les tracas, et le lever, comment se passe ? Pauvre créditaire de l'immortelle médiocrité, comment faites-vous face ? Tressaut et syncope, stop ! Je suis quitte, un toit me louerait, suffit le déluge. Comment ça va avec n'importe qui ? Dites, comment, quand on est mon élu ? Pour sûr, plus comestible, domestique, la table. Et qu'on s'en lasse, faute à qui ? Comment ça va la vie près d'un pastiche, pour vous qui trahîtes le Sinaï ? Comment ça va près d'une d'ici-bas, d'une si peu vôtre ? Son flanc vous plaît ? À toute bride, Zeus ne fouette pas votre front ? La honte vous laisse en paix ? Comment ça va, vivre ? Comment va-t-elle, la force d'être ? Et de chanter, la force ? Pauvre, la blessure de l'immortelle conscience. Comment y faites-vous face ? Comment ça va la vie près d'un produit de pacotille ? Un peu abrupte, le prix. Les marbres de Carrare reconduits, comment ça va la vie près d'un débris de plâtre ? Taillé dans la masse même. Dieu, sa tête, presque aussitôt détruite. Comment ça va avec la 100 000e, dites, pour vous qui connûtes Lilith ? L'or de pacotille vous intéresse encore ? Là, des grâces magiciennes, comment ça va auprès d'une terrestre,
C'est comment une femme sans sixième sens? Bon, la tête entre deux mains, heureux, non? Des fonds sans profondeur étant l'hôte, comment ça va à l'ami? Plus douloureux, moins douloureux que pour moi près d'un autre? Попытка ревности. Как живется вам с другою? Проще ведь? Удар весла. Линией береговою скоро ль память отошла обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам. Души, души, быть вам сестрами, не любовницами вам. Как живется вам с простою женщиной без божеств? Государыню с престола свергши сонного сошед. Как живется вам, хлопочется, ежится, встается? Как с пошлиной бессмертной пошлости? Как справляетесь, бедняк? Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Как живется вам с любою избранному моему? Yes. 1926, une lettre à Rilke. Nous nous touchons, comment? Par des coups d'aile. Donc, tout humainement et très modestement, c'est le poète que j'aime, pas l'homme. Ai-je le droit de choisir? Tu es déjà un absolu. Par l'homme, Rilke, j'entends celui qui vit, publie, que l'on aime, qui est déjà la propriété de tant de gens et doit être fatigué de tant d'amour. J'entends ses nombreuses attaches humaines. Par l'homme, Rilke, j'entends cela où il n'y a pas de place pour moi. D'où cette phrase sur le poète et l'homme, pur geste de résignation, de renoncement, de peur que tu n'ailles croire que je veux forcer ta vie, ton temps, ta journée, qui sont organisées et réglées une fois pour toutes. Cette nuit, j'ai lu dans tes élégies de Twino. Dans la journée, je n'arrive jamais à lire ni à écrire. Les tâches quotidiennes empiètent même sur la nuit, car je n'ai que mes deux mains. Que te dire de ton livre? Le degré suprême. Mon lit changé en nuage. À Pasternak, en mai 36. Boris. Ma rupture avec la vie devient de plus en plus irrémédiable. J'ai émigré, j'émigre, en portant avec moi toute ma passion, tout l'indépensé, et non pas comme une ombre exsangue, mais en menant tellement de sang que j'aurais pu me traire et abreuver tout le royaume d'Hadès. Oh, j'aurais su le faire parler, moi, le royaume d'Hadès. Tu ne connais pas ma vie, précisément cette fréquence du mot « vie ». Et jamais tu ne l'apprendras dans mes lettres. J'ai peur à voix haute, peur d'attirer le mauvais sort. J'ai peur d'attirer quoi? J'ai peur de l'ingratitude. Cela ne s'explique pas. Mais il faut croire que cette chère absence de liberté m'est si peu naturelle que par autodéfense, je transmigre dans la liberté complète. Et Boris, peu m'importe où je m'envole. À Pasternak encore, le 23 mai 1926, un dimanche. Boris, pourquoi suis-je attiré vers ton enfance? Pourquoi suis-je attiré à t'attirer vers la mienne? En ce moment, en ta compagnie, en Vendée, en mai 1926, je joue sans arrêt un jeu
que dis-je, des jeux. Je trie avec toi des coquillages. Je grappille au buisson des groseilles vertes. Je cours voir si la vie remonte ou redescend, marée haute et marée basse. Mais Boris, il y a une chose, je n'aime pas la mer. Je n'y arrive pas. Toute cette place, là, on ne peut pas marcher. Et d'un. Elle bouge, et moi, je la regarde, et de deux. Boris, c'est la même scène, c'est-à-dire mon immobilité forcée, notoire, mon comportement routinier, que je le veuille ou non, ce qu'il nous faut tolérer. Et la nuit, cela est froid, bondissant, invisible, sans amour, un but soi comme Rilke. La terre, je la plains, elle a froid. La mer n'a pas froid. Et c'est cela le cela. Tout ce qui en est l'épouvante est ce cela. Son essence. Un immense réfrigérateur, la nuit, ou un énorme chaudron, le jour. Et tout rond. Une monstrueuse soucoupe, plate, Boris. Un énorme berceau à fond plat qui renverse l'enfant, le navire, à chaque instant. On ne peut pas la caresser, elle est humide. On ne peut pas la prier, elle est terrible. La mer, c'est la dictature, Boris. La montagne est différente. La montagne rapetisse au niveau de Moore. C'était son fils. La montagne, c'est ruisseau, c'est jeu. La montagne, c'est avant toute chose mes jambes, Boris. Mon prix exact, la montagne. Et un grand tiret, Boris, que tu rempliras d'une respiration profonde. À la montagne, je vaux un montagnard. À la mer, je ne suis même pas un passager, un estivant. Un estivant qui aime l'océan. Ah, au diable. Et toujours à Pasternak, 3 jours plus tard. As-tu enfin reçu mes choses, le poème de la montagne ? Boris, il est 6 heures du matin. Tout hurle et souffle. Je viens de courir au puits par la petite allée. 2 bonheurs différents, le seau vide, le seau plein. Et de tout mon corps, croisant le vent, je t'ai dit bonjour. Oui, tu ne le sais pas, j'ai des vers à toi dédiés. Poème à Gary. Juste le prologue. Вздрогнешь и горы с плеч, а душа — горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черный ни днесь, ни впредь не заткну дыры. Дай мне о горе спеть наверху горы. Une lettre à Rilke, en 26. Cher Rainer, écrire des poèmes, c'est déjà traduire de sa langue maternelle dans une autre. Et peu importe qu'il s'agisse de français ou d'allemand, aucune langue n'est maternelle. Écrire des poèmes, c'est écrire d'après. Un poète peut écrire en français, il ne peut pas être un poète français, c'est ridicule. Je ne suis pas un poète russe. C'est toujours un étonnement pour moi d'être tenu pour tel, considéré comme tel. On devient un poète, si tant est qu'on puisse le devenir, non pour être français, russe, etc., mais pour être tout. Ou encore, on est poète parce qu'on n'est pas français. La nationalité est forclusion et inclusion. Encore à Rilke. Il était difficile, Rilke, et répondait rarement. Alors voilà ce qu'elle lui écrit. Mon amour pour toi s'est morcelé en jours et en lettres, en heures et en lignes, d'où l'inquiétude. D'où le repos imploré par toi.
Aujourd'hui, une lettre. Demain, une lettre. Et tout le tourment, les jours que l'on compte, chaque heure nulle. Quand je m'en suis avisée, je me suis tenue. Maintenant, c'est passé. Vouloir me passe, vite. Ce que je voulais de toi, rien. Ou plutôt, t'approcher, simplement peut-être, aller à toi. Sans l'être, c'était déjà sans toi. Ensuite, pire, sans l'être, sans toi. Avec l'être, sans toi. Avec toi, sans toi. Et en toi. Tel je suis, et tel est l'amour, ingrat et suicidaire. L'amour, je ne le respecte ni ne l'aime. Et encore à Rilke, Rainer. J'ai reçu ta lettre le jour de ma fête, car j'ai une sainte, moi aussi. Donc le plus beau cadeau, ta lettre. Tout inattendu, comme chaque fois. Je ne m'habituerai jamais à toi, et pas plus qu'à moi. Et alors, Rainer, ne m'en veux pas. C'est moi la mauvaise. Je veux dormir avec toi. M'endormir et dormir avec toi. Cette merveilleuse expression populaire, comme elle est vraie, profonde, sans équivoque, comme elle dit bien ce qu'elle dit. Simplement dormir, rien de plus. Si pourtant, enfouir ma tête dans ton épaule gauche, passer mon bras sur ton épaule droite, rien de plus. Si pourtant, savoir jusqu'au plus profond du sommeil que c'est toi. Et encore, comment ton cœur sonne. Et baiser ton cœur. Quelquefois, je me dis, quand même, tu dois exploiter le hasard d'être encore un corps. Bientôt, je n'aurai plus de bras. Et puis aussi, mais cela va sonner comme une confession. Et qu'est-ce qu'une confession ? Se vanter de ses noirceurs. Il ne faut donc pas que ça ait l'air d'une confession. Les corps s'ennuient avec moi. Ils devinent quelque chose et ne me croient pas. Ne croient pas le mien, bien que je fasse tout comme tout le monde. Peut-être trop désintéressée, trop bienveillante, trop confiante aussi. Toujours, j'ai traduit le corps en âme. J'ai tellement magnifié l'amour physique pour pouvoir l'aimer qu'il n'en restait tout à coup plus rien. L'amour est le poète. Il sait au plus profond de lui-même qu'il n'est pas magnifique, d'où sa tyrannie. Il sait que toute la magnificence est âme. Et là où l'âme commence, le corps finit. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça ? L'inquiétude, peut-être, que tu ne vois en moi qu'une passionnée commune. Passion, servage. Je t'aime et je veux dormir avec toi. Pareille concision n'est pas permise à l'amitié. Mais je le dis d'une voix autre, presque en mon sommeil, ferme en mon sommeil. Je ne sonne pas du tout comme de la passion. Si tu me prenais contre toi, tu prendrais les plus déserts lieux. Je ne plaide pas ma cause, je plaide la cause du plus absolu des baisers. Rainer, le soir tombe, je t'aime. Un train hurle, les trains sont des loups, les loups sont la Russie. Ce n'est pas un train, c'est toute la Russie qui hurle après toi. Ne sois pas fâchée contre moi. Fâchée ou pas, cette nuit, je dormirai avec toi. Et
Et quand je pense à toi et moi, je pense à une fenêtre, pas à un lit. C'est un poème qui s'appelle Magdalena, que j'ai voulu dire parce qu'il est très étonnant chez Tsvetaev, comme aussi un hommage à Bulgakov. Et moi, quand j'ai d'abord découvert ce poème, j'ai cru qu'il était de Pasternak, mais il est de Tsvetaev. «О путях твоих...» Oui, je vous le dis d'abord en russe, et après je traduis. «О путях твоих пытать не буду, милая, ведь все сбылось. Я был босс, и ты меня обула ливнями волос и слез. Не спрошу тебя, какой ценой куплены твои масла. Я был наг, и ты меня волною тела, как стеною, обнесла. Наготу твою перстами трону, тише вод и ниже трав. Я был прям, и ты меня наклону нежности наставила, припав. В волосах своих мне яму вырый, спеленай меня без льна. Мира носится, на что мне мира? Ты меня омыла, как волна. Садись, о путях твоих пытать не буду. А пропо де тей шемен, путях, пытать не буду. Je ne te torturerai pas. Путь, пытка. La même racine, comme si c'était la même racine, les chemins et la torture. О твоих путях пытать не буду. Милая, bien-aimée, ce i. Милая, ведь все сбылось. Tout est advenu. Я был босс. C'est très, très laid en russe de dire ça. Littéralement, j'étais pieds nus, mais trois monosyllabes. Très, très laid. Я был босс. И ты меня обула. Et tu m'as chaussé. Ливни мне волос и слез. Par les averses de tes cheveux et de tes larmes. Comme милая, bien-aimée. Ливнями, les averses. Не спрошу тебя, какой ценой куплены твои масла. Je ne te demanderai pas à quel prix tu as acheté tes huiles. Я был наг. Encore trois monosyllabes. J'étais nu. И ты меня волною тела. Et tu m'as, par la vague de ton corps, il y a un rejet invraisemblable, par la vague de ton corps, comme par un mur enceint. Tu m'as enceint par la vague de ton corps, comme par un mur. Mais le verre fait lui-même un mur. Нагату твою перстами трону. Je toucherai ta nudité du bout des doigts. Là, tous les mots sont d'une noblesse biblique. Тише вот и ниже трав. Littéralement, plus silencieux que l'eau, plus bas que l'herbe. Ça veut dire, c'est une expression populaire, ça. Ça veut dire tout doucement, tranquillement. Я был прям. J'étais droit. И ты меня наклону нежности наставила. Et tu m'as la pente de la tendresse. Appris en tombant. Tu m'as appris la pente de la tendresse en tombant devant moi. Волосах своих мне яму вырый. Dans tes cheveux, волосах своих мне яму вырый. Creuse-moi une fosse. Спеленай меня без льна. Emmaillote-moi sans lin, sans sueur. Мироносица. На что мне мира? Ça, c'est absolument génial. Ça veut dire littéralement, mirophore, à quoi me sert la mire, hein, c'est Madeleine. Mais en russe, mire, mire, c'est la mire, mais mire, c'est la paix, le monde. Porteuse de paix, porteuse de monde, à quoi me sert la mire? Ты меня омыла, как волна, tu m'as lavé comme une vague. Là, c'est un poème d'amour de Tsvetaev et un poème christique. Pourquoi les hommes ne m'aimaient pas? Parce que je n'aimais pas les gens. Parce que je n'aimais pas les hommes. Parce que je n'aimais pas les hommes, mais les âmes. Pas les gens, mais autour, au-dessus, en dessous. Parce que je donnais trop, exigeais trop peu, n'exigeais rien. Attendais trop de tout, mais pas pour moi. Pardonnais toujours. Parce que j'ai un nom. Peur de ma langue acérée, de mon intelligence masculine,
de ma vérité, de mon nom, de ma force, et semble-t-il, plus que tout, de mon intrépidité. Et le plus simple, je ne plaisais pas, tout simplement, en tant que femme. C'est-à-dire, je plaisais peu, car de cette femme, il y avait peu. Et si je plaisais, alors infiniment moins que la première venue qu'on aimait infiniment plus et à juste titre. Je ne vis pleinement que dans mes poèmes. Avec les gens, cela ne m'a pas été donné. Et moins que tout, aussi étrange que cela puisse paraître, avec les aimés. À qui j'obéis ? J'obéis à quelque chose qui, sans cesse, mais de façon discontinue, résonne en moi, qui tantôt me dirige, tantôt me commande. Quand cela dirige, je discute. Quand cela commande, je me soumets. Et ce qui commande est le ver primitif, inaltérable et irremplaçable, l'essence qui apparaît sous la forme d'un ver. Et ce qui dirige, c'est une voix auditive jusqu'au ver. J'entends une musique, j'entends pas les mots. Les mots, je les cherche, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, plus haut, plus bas, plus vite, plus lentement, ralentir, couper. Telles sont les indications précises de mon ouïe ou de quelque chose d'autre encore qui dicte l'ouïe. Mon écriture tout entière consiste à prêter l'oreille. C'est comme si, depuis le début, l'œuvre entière m'était donnée sous forme de tableau mélodique ou rythmique. Comme si l'œuvre que je suis en train d'écrire en ce moment même était déjà écrite quelque part, avec précision et tout entière. Et moi, je ne fais que la reconstituer. Voilà pourquoi je suis constamment sur le qui-vive. Est-ce bien ça ? Est-ce que je ne m'écarte pas ? Est-ce que je ne suis pas en train de n'en faire qu'à ma tête ? Entendre juste, telle est ma tâche. J'en ai pas d'autre. Pour qui j'écris ? Ni pour des millions, ni pour un seul. Et ni pour moi. J'écris pour l'œuvre elle-même. L'œuvre s'écrit elle-même par moi. Et pourquoi j'écris ? J'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire. Si je devais choisir ne jamais revoir la Russie ou ne jamais revoir mes cahiers de brouillon, je le ferais sans hésiter tout de suite. Hé, quoi, c'est clair. La Russie fera sans moi. Mes cahiers, non. Je ferai sans la Russie. Et sans mes cahiers, non. L'état de création. L'état de création est un état d'obsession. Tant qu'on n'a pas commencé, obsession. Tant qu'on n'a pas fini, possession. Quelqu'un, quelque chose s'introduit en toi. Ta main est un exécutant, non de toi, mais de ce quelque chose. Qui est-ce ? Ce qui, à travers toi, veut exister. Toutes mes œuvres m'ont toujours conduite en me prenant ma force comme signe distinctif. Et je les ai souvent écrites, presque contre mon gré. Elles m'ont convaincue, séduite. Comment ? Elles m'ont séduite, avec ma propre force. Toi seul, tu peux. Et oui, c'est vrai, moi seul. Et cédant, parfois en toute lumière, parfois à l'aveuglette, je me soumettais. Je cherchais avec l'oreille je ne sais quel devoir sonore qui m'était imposé. L'état de création et cet état de rêve dans lequel tout à coup, obéissant à une nécessité inconnue, on brûle la maison. On pousse un ami du haut d'une montagne. Est-ce toi qui l'as fait ? Bien sûr, c'est toi. Un acte de toi. Et sans conscience. De toi, nature. Une série de portes. Derrière l'une d'elles, il y a quelqu'un, quelque chose, le plus souvent d'horrible, qui attend.
Les portes sont pareilles. C'est pas celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Et celle-là. Et qui me l'a dit ? Personne. Je reconnais celle qu'il me faut grâce à toutes celles que je n'ai pas reconnues. Et c'est la même chose pour les mots. Et ni celui-ci, ni celui-ci, ni celui-là, l'autre. L'évidence de ce qui n'est pas bon me permet de reconnaître ce qui est. C'est le coup de reconnaissance. Si familier à tout être qui dort et qui écrit. Oh non, on ne peut pas tromper le dormeur. Il connaît son ami et son ennemi. Il connaît la porte et le vide qui est derrière. Et à l'ami, l'ennemi, la porte, le vide, à tout ça, il est voué. Moi, toute ma vie, on m'a reproché mon insuffisance idéologique. Et même, pour ce qui est de la critique soviétique, mon manque de fondement. Le premier reproche, je l'admets. À défaut d'avoir une conception du monde, j'ai une sensation du monde. Et le manque de fondement, si c'est une allusion à la terre, au pays natal, mes livres sont une réponse à cela. Si c'est une allusion à la classe sociale, voire au sexe, si vous voulez, ben oui, je n'appartiens à aucune classe, ni à aucun parti, ni à aucun groupe littéraire, jamais. Je suis en droit, ne vivant qu'ici et une fois, de ne pas savoir ce qu'est un kolkhoz, de même que les kolkhozes ne savent pas ce que je suis, moi. Égalité, en voilà de l'égalité. Mon temps m'aura, en tant que force active, balayé. Et il m'aurait balayé dans n'importe quel pays. Je ne lui ai pas convenu idéologiquement, tout comme lui ne m'a pas convenu. Impossible de nous rencontrer, nous hantons des contrées différentes. Moi, le camp des isolés, et lui, un désert, aux avant-postes de plus en plus clairsemés. Bientôt, simple fossé avec des os. J'ai souvent dû parler, hurler, dans sa langue, avec sa voix, avec une voix d'emprunt, à laquelle je préfère la mienne, à laquelle je préfère le silence. Pour tout dire, j'ai toujours été étrangère toute ma vie, à tout cercle, parmi les politiques comme parmi les poètes. Mon cercle, le cercle de l'univers, ou celui de l'âme, c'est la même chose. Et le cercle de l'homme, de son humaine solitude, de son isolement. Je suis moi-même hors la vie. Je viens d'un troisième royaume, pas la terre, pas le ciel, de mon pays du bout du monde, d'où vient la poésie. Et maintenant, c'est un poème qui s'appelle « Le mal du pays ». Mal du pays, tocard ce mal, démasqué il y a longtemps. Il m'est parfaitement égal où me trouver parfaitement seul. Sur quel pavé je traîne, cabas au bras jusque chez moi, vers la maison, plutôt caserne, qui ne sait pas qu'elle est à moi. Il m'est égal à qui paraître lion en cage, devant quels gens et de quel milieu humain être expulsé immanquablement, en moi-même, dans l'isoloir du cœur. Mal vivre, qu'importe où ma vie lire. Moi, ours polaire sans sa banquise, je m'en fous. Même ma langue maternelle, au son lacté, je m'en défie. Il m'est indifférent quelle langue être incomprise, et de qui ? Du lecteur ? Du glouton de tonnes de presse, abreuvoir de potins. 20e siècle, c'est ton homme. Avant tout siècle, moi, je vins.
bûches abandonnées sur les dalles d'une allée, durcies de partout. Tout m'est égal, les gens se valent, et peut-être par-dessus tout égal, ce qui fut le plus cher. De moi ont disparu d'un coup tout signe, date et repère. Une âme née on ne sait où. Mon pays a si peu pris garde à moi que le plus fin limier sur mon âme, de long en large, ne verra rien de familier. Temple ou maison, vide, personne, tout m'est égal, rien à parier. Mais si sur le chemin buissonne un arbre, et si c'est un sorbier. Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. По каким камням домой брести с кошелкой у базарной в дом, и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно. В себя, в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не чусь, где унижаться, мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемом быть встречным. Читателем газетных тон, глотателем, доильцем сплетен двадцатого столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло душа, родившаяся когда-то, где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, особенно рябина. C'est un poème écrit en 1934. Dans les années 30, au fur et à mesure des années 30, vivant en France, Marina Tsvetaeva s'est trouvée de plus en plus isolée. Isolée pour plein de raisons. D'abord pour des raisons étonnantes, mais réelles, c'est que son mari, qui était un officier blanc, avait tourné Kazakh, qui était en fait devenu un agent du GPU de l'époque. Enfin, en tout cas, il militait beaucoup pour le retour en Union soviétique. Et bon, Tsvetaeva ne savait pas qu'il était un agent. Mais voilà. Bref, d'un point de vue politique, elle était isolée. Mais l'essentiel n'était pas là. Elle était isolée d'un point de vue esthétique. Et c'est ce qu'elle dit tout le temps. Écrire un poème sur le mal du pays, ça m'est égal dans quel pays être mal, pour un Russe, c'est impossible. C'est une chose impossible de dire que le lieu de la nostalgie est indifférent. Tous les Russes sont nous, les Russes, nous, le pays, nous, le machin. Rien que ce poème-là valait la solitude. Mais tout son travail était un travail solitaire. Être dans le monde, dans la génération, face à l'histoire, seul. En 1939, Ifron, son mari, donc, a été mêlé à un assassinat et a dû partir, a été exfiltré en URSS, quoi. Et Marina Tsvetaeva, 1939, c'est quoi ? C'est la montée du fascisme. Mais le fascisme venait d'Allemagne.
le nazisme. Et pour Tsétaeve, qui est passionné par l'Allemagne, qui Rilke, c'est voilà, qui parle allemand aussi bien qu'elle parle français, c'est-à-dire mieux que nous tous ici. Le fait que Hitler soit allemand est une, c'est le monde qui s'écroule. Arrive la fin de la guerre d'Espagne, arrive la Tchécoslovaquie. Tsvetaeva repart en URSS. Et en URSS, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui rentrent? Ils vont directement en Sibérie. Le mari de Tsvetaeva est arrêté et au bout de 2 ans, il sera fusillé. C'est d'ailleurs une des seules personnes qui n'a jamais rien signé, qui a toujours, toujours refusé de signer. La sœur de Tsvetaeva est arrêtée. Elle, elle survivra, mais après combien d'années de camp? La fille de Tsvetaeva est arrêtée aussi. Tsvetaeva se retrouve absolument sans rien, aidée par quelques amis, en particulier par Boris Pasternak. Mais que peut faire Boris Pasternak? Elle vit de traduction, elle fait des traductions absolument magnifiques de Garcia Lorca, de Baudelaire. Voilà. Arrive la guerre. Elle se retrouve, par toutes sortes de circonstances, c'est pas la peine de les raconter maintenant, dans une petite ville de Tatarie, Yelabouga, derrière Kazan. C'est loin. Et il n'y a rien. Sans aucun moyen de vivre, la guerre est là. Elle demande un poste de femme de ménage, de laveuse de vaisselle. On le lui refuse. Et elle se pend en août 1941. Quelques derniers textes de Tsvetaeva. J'éprouve ici ma propre misère qui se nourrit des restes, des amours et des amitiés de tous les autres. Laver la vaisselle toute la journée. Du 19 juin à 23 juillet, 34 longues journées, de 7 heures du matin à 1 heure de la nuit. Ce n'est rien, ça ne durera pas. Mais ce sont quand même 34 jours de ma vie, de ma tête, de mes pensées. Ce n'est que moi seule qui vide l'eau de vaisselle dans le jardin pour que la cuvette sous l'évier, remplie à ras-bord, ne tache pas le sol. Seule, sans aucune aide. Et seule, tout simplement. Tout le monde autour de moi est absorbé par des problèmes sociaux ou paraît absorbé, idées, idéaux, etc. La bouche pleine de mots. Mais personne ne voit une injustice dans le fait que la peau de mes mains pèle, usée par un travail que personne n'apprécie. Pourtant, de nature, j'étais très gaie. Il s'agit peut-être d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre mot. Il me suffisait de très peu pour être heureuse. Une table à moi, la santé des miens, n'importe quel temps, toute la liberté, tout. Et voilà, pour le gagner, ce malheureux bonheur, tant se démener, plus que de la cruauté, il y a là-dedans de la bêtise. La vie devrait se réjouir des gens heureux, les encourager pour ce talent rare. Parce que d'un être heureux émane le bonheur. Il émanait de moi, émanait très fort. Je jouais avec les fardeaux des autres, tombés sur moi, comme un athlète avec des haltères. De moi émanait la liberté. On savait tout à coup que si on se jetait par la fenêtre, on tomberait en haut. Les gens reprenaient vie à mon contact. Eux-mêmes se mettaient à jouer. Je ne suis pas à ma place dans le rôle du rocher sous la cascade, du rocher qui tombe en même temps que la cascade, sur les gens, sur leur conscience. J'ai honte d'être encore en vie. J'avais tellement l'habitude d'offrir. Moi, tout le monde me trouve courageuse. Je ne connais personne de plus craintif que moi. J'ai peur de tout,
des yeux, du noir, des pas, et plus que tout, de moi-même, de ma tête, si c'est bien elle qui m'a servi avec un tel dévouement dans mon cahier et démoli à ce point dans la vie. Personne ne voit, ne sait, que depuis un an déjà environ, je cherche des yeux, un crochet. Mais il n'y en a pas, parce qu'il y a l'électricité partout. Pas un seul lustre. Il y a un an que je prends les mesures de la mort. Et je ne veux pas mourir. Je veux ne pas être. Seigneur, je peux si peu, si rien, finir sa vie, finir sa bouchée d'amère absinthe. Le poème Mars 1939. Ô слезы на глазах, плач гнева и любви. О, Чехия в слезах, Испания в крови. Ô pleurs d'amour, fureur, de même jaillissant. Ô la bohème en pleurs, en Espagne le sang. Ô черная гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Noir. Ô mont qui étend son ombre au monde entier. Ô créateur, grand temps de rendre mon billet. Отказываюсь быть. В бедламине людей отказываюсь жить. С волками площадей отказываюсь выть. Refus d'être, de suivre. Asile des non-gens. Je refuse d'y vivre. Avec les loups régents des rues. Hurler, refuse. С акулами равнин отказываюсь вплыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один – отказ. Quand au requin des plaines, non. Glisser, je refuse, le long des dos en chaîne. Oreilles obstruées, et mes yeux voient confus. À ton monde insensé, je ne dis que refus. Direct du musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon 2012, une génération tragique. Annie Grimbert lisait Marina Zotayeva, André Markovitch improvisait. Les textes ont été choisis par Annie Grimbert. Extrait de Vivre dans le feu, confession, recueil traduit par Nadine Dubourvieux et présenté par Svetlana Todorov, édition Robert Laffont. Lettre à Boris Pasternak et Rainer Maria Rilke, traduit par Lily Denis, édition Gallimard. Poème traduit par Eve Malray, extrait de Tentative de jalousie, édition Gallimard. Prise de son, Julien Duminc et Clotilde Thomas. Sonorisation, Benjamin Thuot. Coordination technique, Dominique Allard et Guillaume Brialand. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Blandine Masson. Merci à Irène Sorel et Anne Bouchicot du Musée Calvet.
quelques instants, vous retrouverez Arnaud Laporte pour la dispute sur France Culture.